Le conduit de fumée a un impact très important sur la performance énergétique de l'ensemble de l'installation de chauffage. Parce qu'aujourd'hui, dans le cas notamment de conduits concentriques, hein, qu'il s'agisse du gaz, du bois ou du fioul, le conduit de fumée gère l'évacuation des fumées et l'amenée d'air. Donc si ces systèmes sont mal dimensionnés, eh bien on a une perturbation au niveau de l'appareil de chauffage qui peut entraîner certains dysfonctionnements ou en tout cas ne pas avoir une performance optimum. Donc il est important d'avoir un conduit de fumée qui soit bien dimensionné, bien installé. Dans la majorité des cas avec les appareils en pression aujourd'hui, eh bien c'est le fabricant de l'appareil qui donne les dimensions, et lorsqu'on est en tirage naturel, eh bien là, c'est directement les caractéristiques du conduit qui influent sur l'évacuation de fumée avec la bonne dépression à la buse qui va entraîner un fonctionnement optimum de l'appareil. En réalité, c'est assez simple. Il y a en amont un certain nombre de normes à respecter et des conditions d'installation du matériel. Donc il faut connaître ces normes et ces contraintes d'installation qui peuvent être différentes si on est sur le marché du neuf ou sur le marché de la rénovation, mais également en fonction de l'appareil de chauffage que l'on a à raccorder. Alors Cheminée Poujoulat propose deux systèmes qui permettent notamment de venir en aide à l'installateur. Le premier, c'est une CAO, un logiciel de conception assisté par ordinateur qui permet de réaliser des devis, des plans de montage et également des notes de calcul conformément à la norme pour bien définir le diamètre qui va assurer le bon fonctionnement derrière, mais également la bonne performance énergétique de toute l'installation. L'installateur doit nous fournir les caractéristiques de son appareil de chauffage et de son bâtiment. Et là, on lui réalise un devis, un plan de montage et une note de calcul. Si par exemple on est sur des personnes qui souhaitent utiliser l'outil par eux-mêmes, alors là il faut nous contacter et là on fournit un login et un mot de passe. On peut accéder directement à l'outil en ligne. À côté de cela, on a une ligne téléphonique dédiée avec des opérateurs qui permettent de répondre à toutes les questions techniques des installateurs. Donc c'est entièrement gratuit, les deux services sont gratuits et l'installateur peut nous appeler très directement et nous poser toutes les questions techniques et on est en mesure de répondre à la moindre question qu'il peut avoir.